bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspin99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Compte tenu que vous avez été nombreux à aimer ma vidéo précédente consacrée au blues Shuffle and Me, je me suis dit qu'on pouvait faire une nouvelle vidéo de blues. On va pouvoir appeler cette vidéo le blues de l'été, hein, puisque c'est de circonstance. Un petit blues en finger picking qui me trotte dans la tête depuis un bon petit moment, donc je me suis dit que c'était le temps de l'enregistrer. Alors pour le côté finger picking, hein, donc c'est un son qui est quand même assez inimitable, donc on ne peut pas reproduire avec un médiator. Alors il ne faut pas que ça vous fasse peur, hein, je vais vous donner 2-3 conseils concernant donc, cette technique de jeu un petit peu particulière. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le lien YouTube qui est au-dessus, vous allez pouvoir télécharger ma tablature donc, directement sur mon site. Hein. Donc elle fait 2 pages, enfin une page recto verso, donc elle est quand même bien remplie. Et toujours sur mon site, vous pourrez également télécharger le backing track que je mets à disposition avec la tablature. Alors concernant le son pour cette vidéo, j'ai à nouveau ressorti l'ampli de la marque Teps Amp. J'ai mis un lien directement dans la description de cette vidéo, si vous voulez aller directement sur le site du fabricant. Bien suite à cette petite présentation, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On y va. Alors concernant cette fameuse technique du finger picking, en fait c'est comme si vous faisiez de l'arpège au niveau de la main droite. Donc si vous n'avez jamais fait d'arpège, n'hésitez pas à commencer par bosser des morceaux simples comme les portes du pénitencier par exemple. Sachant que bon, techniquement c'est quand même assez proche. Alors, voyez, par exemple, au début, le premier riff ça va faire ça. Alors, pour faire sonner ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors je joue, donc c'est basé sur un accord de la majeure, simplement avec le barré du la donc à la deuxième case. Donc on va prendre avec le pouce, je vais jouer donc la base de la. Ensuite, je vais jouer donc avec mes 3 doigts index, majeur, annulaire. Donc l'index qui va jouer la corde ré, la corde sol va jouer avec le majeur et la corde si sera jouée avec l'annulaire. Donc je répète, index, majeur, annulaire et le pouce qui va jouer la basse. Donc soit on va jouer la basse en même temps que les 3 autres cordes, soit on détachera la basse comme ceci. D'accord. Donc là, je détache la basse de l'accord. Et là, je joue la basse complète avec l'accord. Donc au début, je vais commencer avec la basse. Donc, d'accord. Au niveau position, ensuite, je vais venir compléter ça donc avec l'annulaire. Cascade sur l'accord de ré et le majeur et casse 3 sur l'accord de si. Donc entraînez-vous déjà à enchaîner cette position. D'accord. En ce qui concerne la position de la main droite, donc mettez pas votre main trop, comme si vous vouliez jouer comme un bassiste, pas trop perpendiculaire par rapport à vos cordes et pas trop parallèle non plus. Il faut réussir à trouver le juste milieu de façon à avoir la possibilité de crocheter vos cordes comme ceci. Vous voyez ? Allez, je reprends. Ensuite, alors, je vais installer jusqu'à la case 6. Et ouais, vous allez voir qu'en fait beaucoup, il y a beaucoup de passages que je vais jouer donc avec la première corde jouée avec le pouce et l'autre qui sera jouée avec l'index. En fait, comme si on jouait avec un médiator en fin de compte. Les coups vers le bas étant joués avec le pouce et le coup vers le haut avec l'index. Donc là, je joue avec pouce index. D'accord. Ouais, donc pour cette première phrase, parce que je viens de phraser ici, en fait là, je joue avec la pointe tonique de la majeure. D'accord. On travaille déjà au niveau du rythme ce premier enchaînement. Je refais. Ensuite, alors, arrive à la mesure 3. Là, je change un petit peu donc, ma rythmique. D'accord. Sur le troisième temps, je passe à la deuxième position dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, là, je vais jouer en pentatonique mineure, donc en venant avec la position auquel vous êtes habitué. Alors, je fais un petit rappel par rapport à la pentatonique majeure que j'ai utilisée précédemment, en fait, pour pouvoir jouer. Donc là, si vous prenez votre position habituelle, si vous voulez commencer à la case 5 comme vous avez l'habitude de faire, donc pour la gamme de La mineur, donc on a la position 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7. Et si vous la jouez à partir de la case 2, en commençant par la note case 5, donc là vous jouez sur la gamme de pentatonique de La majeur. On est en majeur. Et là on va être en mineur. D'accord, donc alors au début du morceau, je suis en majeur, parce que j'ai décalé ma position de 3 cases. Ensuite je passe en mineur.
Donc au niveau du plan, ça c'est très très classique en blues. Donc là je suis à la fin de la première ligne. Je fais un petit bend donc à la cassette, donc bender ça avec plusieurs doigts. Hein. Alors c'est un bend d'un demi-ton qui est quand même assez léger. Ensuite je vais venir avec sur la donc mesure 4, deuxième ligne, avec le barré de l'index. Ouais, donc tout ça en ce qui concerne le doigté de la main droite, je fais ça avec, comme je disais tout à l'heure, le pouce et l'index. Je recommence. Encore une fois. Donc là, je vais venir slider en 9, vous avez vu. Ensuite, je reviens. Ça fait un petit peu penser au début de Roof Boy de ZZ Top, ce plan d'ailleurs. Ensuite alors, deuxième mesure de la deuxième ligne, je reprends donc comme au départ. Alors cette fois-ci, au début je venais comme ça donc sur la case 5 de l'accord de Si. Là je vais venir descendre sur la case 5 toujours, mais de la corde mi-aiguë. Je refais. Donc, au niveau doigté, vous avez vu, je fais ça avec au niveau main gauche. Donc je slide avec l'annulaire. Je récupère ma corde mi-aiguë avec le majeur de. Donc je parle du doigté main gauche. Au niveau main droite, comme toujours, pouce index. Allez, je refais donc tout ça depuis le départ. Je ralentis un petit peu. Alors, ici je vais utiliser ce qu'on appelle la gamme diminuée. Alors, je vous fais un petit rappel donc, du doigté que j'utilise. Donc là, la gamme diminuée, vous avez vu donc, ce que je viens de faire. Donc sur la corde mi aiguë, donc, je fais donc, au niveau des cases 8, 6, 5, 8, 7, 5, 8, 6, 5, 8, 7, 5. On peut aller jusqu'à la case 4 de la corde ré. Donc au niveau de la descente, je commence avec donc, deux doubles croches, donc ça avec des pull-offs au niveau main gauche. D'accord. Ok. Je refais. Ensuite, je me décale, cassette corde ré, j'arrive, cascade corde ré. Donc je recommence ça. Donc là, au niveau de la grille, par rapport au blues, on va arriver donc sur la corde ré 7e, en fait, que je vais faire sonner avec une 9e. Donc je fais un petit rappel de cette position-là. Donc le ré 7e avec une 9e. Alors pourquoi une 9e? Parce que si je joue les cordes une par une, donc si je joue le mode mixolydien de ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vais enrichir l'accord avec la 9e note. Qui va être un mi en l'occurrence. Donc là, au niveau de la position, comment je fais ça? Majeur, donc je fais la fondamentale, donc la note ré avec le majeur, avec l'index, je fais donc fondamentale, la tierce, la septième mineure de l'accord sur l'accord de sol et case 5, avec le barré de l'annulaire, et j'ai également donc ma neuvième avec le barré d'annulaire également sur l'accord de si. Allez, je refais ma petite descente. Ensuite alors, donc là, passage bluesy que j'utilise souvent, d'accord, donc toujours pareil, au niveau de la main droite, index majeur, d'accord, donc là avec hammer pull-off, là je me décale avec le majeur sur la case 5 de la corde sol, pour pouvoir choper la sixth ensuite. Un peu comme le frère Robin Ford, pour ceux qui connaissent. La fameuse sixth ici. Hammer en 7. D'accord. Bon, pour cette phrase-là, je rappelle, hein, par rapport à la tablature, je suis donc sur la quatrième ligne à la mesure 10.
Ensuite, je remonte d'un cran pour pouvoir faire le slide de 5 à 4. Ensuite, un plan assez classique. Je refais. Alors, j'ai piqué ça à August Young hein, dans le solo de I Wait Well. Donc là, on va venir bender. Alors, bender ça avec plusieurs doigts de façon à avoir suffisamment de force. Juste sur la case 7, je vais bender de un ton. Donc pour attraper le son de la case 9. Ensuite, avec le petit doigt, on va venir récupérer la corde de si à la case 8. On va rebender tout de suite derrière. On travaille déjà cet enchaînement là déjà. D'accord. Là, ce que vous pouvez faire au niveau main droite, vous avez vu. Donc là, je fais le pouce sur la corde sol, l'index sur la corde si. On peut jouer avec le majeur, histoire de s'en servir un petit peu tant qu'à faire au niveau main droite, sur la corde mi aigu. D'accord. Pouce, index, pouce, majeur. Je refais. Encore une fois. Encore une fois, ah, c'est ça. Alors ici, on va venir à bas, donc sur la case 7. Et tout de suite, on va venir faire un hammer sur la case 6. Enfin, non, barré case 7, barré case 5, excusez-moi. On va faire un hammer tout de suite à la case 6 pour faire sonner la tierce majeure de l'accord. Petit enchaînement très très classique que vous pouvez même utiliser dans vos propres rythmiques. Donc cet enchaînement là, ensuite je vais venir barrer donc avec l'annulaire cassette cette fois-ci. Ensuite la position d'accord. Là je suis en case 7 sur l'accord de ré, corde sol case 9, corde si case 8. Revenez sur le barré en 7 avec l'annulaire. Vous avez vu là, évidemment au niveau main droite, hein, j'utilise le pouce index majeur comme je joue les trois cordes simultanément. J'ai tourné la page de ma tablature. Donc j'arrive donc à la mesure 13. D'accord. Ensuite, hammer de 7 à 9. Cassette corde ré. Petit accord sympathique, donc là je suis en case 12 sur la corde sol, si et mi, et case 11 sur la corde ré, donc 11, 12, 12 et 12. Donc, je refais un petit peu donc tout cet enchaînement là. D'accord. Bon. L'accord que je place ici en fait, c'est comme si on avait un La 7ème en échine d'une 9ème, puisqu'on a. Donc sur cette position d'accord, en 4, 5, 4 et 5, c'est comme si je faisais un La 7ème enrichi d'une 9ème, puisqu'on a donc la basse, la fondamentale elle va être sous-entendue, on a la tierce sur l'accord de La, la 7ème sur l'accord de Ré, la 9ème sur l'accord de Sol, la case 6, et la quinte, la note Mi, sur la case 5 de l'accord de Si. Allez, je refais tout cet enchaînement-là. Ensuite, alors mesure 16 à la donc deuxième ligne de la deuxième page. Ok. Donc là, je démarre. Je suis en barré case 5. Un hammer tout de suite sur la case 7 de la corde de si. Je reviens avec le barré. Ok. On peut passer par la corde mi grave puisque on va passer sur le. En ce qui concerne la grille, sur le mi 7ème. Et le plan que j'avais ici tout à l'heure, je place exactement le même ici à la case 11. D'accord. Donc je refais donc cet enchaînement là. Ok, encore une fois. Donc
Là, ce que je fais, vous avez vu, je vais venir à barrer donc avec case 11, 11 cordes de ré, 11 cordes de sol. Ensuite, je vais venir slider jusqu'à la corde de ré, case 9. Ensuite, alors, avec l'index donc de la corde de la main droite, je vais venir nous récupérer la corde si à la case 9. D'accord. Je vais venir slider ça de une case. Ensuite, j'arrive à la case 7. Ok, je refais encore une fois. La corde de ré vide. Nouvel enchaînement. Donc là, je suis avec le majeur sur la corde sol, case 11. L'index, case 10, sur la corde demi-aiguë. On slide de deux cases. D'accord. Corde de ré vide. Ensuite, index décalé de 5 à, de 7 à 5. Corde de ré vide. Petite bend en demi-ton. Pull-off en 5. Cassette corde de si. Je finis en 5 sur la corde mi-aiguë. Ensuite, j'arrive sur cette position d'accord. En fait, lorsque j'ai exactement le même son ici, plutôt avec cette position-là, en fait, là, je fais sonner un la septième avec une treizième. Alors, pourquoi treizième? Puisque si je compte les notes, hein, pareil, donc je vais monter le mode de la mixolydien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, ma fameuse treizième. Puisque j'ai... Ici, j'ai ma septième, ma tierce, ma treizième. Et là, j'ai ma fondamentale à l'octave. Et j'ai exactement le même son ici. Donc, je fais l'enchaînement. Et je décale ça de la case 9 à la case 10. Petit enchaînement sympathique. Là, je vais simplement, je décale l'index chromatiquement. 7, 6, 5. Vous avez eu au niveau main droite, hein, pas de surprise. Hein. Toujours pareil, pouce, index. Hammer. Là, je profite du braille de l'index pour récupérer ma corde de mi-aiguë à la case 5. Petite descente sympathique. Je reprends le petit bend de blues du début. Ensuite, d'accord, petit passage à la Chuck Berry. Faire soit avec, là je parle du doigt à main droite, là je l'ai joué avec pouce, pouce index. On peut aussi faire pouce index majeur. Alors, au niveau de la main droite, vous avez le choix. Ensuite, je viens slider de 7 à 9. Je recule en cassette. Ensuite, alors, là, je suis sur la gamme pentatonique mineure de là. D'accord. Pull-off en 7. En 5, 7 pull-off en 5. 7 pull-off en 5. Il faudrait bien que vous fassiez attention à la mise en place de cette phrase qui est quand même assez rapide enchaînée. D'accord, temps. On est sur le temps ici. On arrive sur le quatrième temps de la mesure. Donc là, je suis de retour sur le mi-septième en bas de page à la mesure 23. Donc sur le troisième temps. J'arrive sur le temps numéro 4. À nouveau en 5 sur la corde de sol. La même descente ici. Sur la corde de ré et la corde de la. Ok. Ensuite, je vais venir slider de 7 à 5 pour pouvoir ensuite récupérer avec le pull-off la case 3. Je barre avec l'annulaire 5, 5. Je reviens en 5 ici et je vais terminer avec un slide de la case 3 à la case 4. Allez, je refais donc cette petite descente 23, mesure 23, pardon. Là, je termine ça en fait sur la tierce de la septième tierce majeure. Je refais cette petite descente. Voilà, vous avez mon petit blues de l'été. Voilà,
me voici de retour parmi vous. Bah écoutez, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à travailler ce finger picking blues en la, donc notre petit blues de l'été. Donc je vous souhaite un très bon mois d'août, puisqu'on va arriver au mois d'août. Hein. Donc faites attention au Covid, protégez-vous, protégez vos proches. Et je vous dis à nouveau, donc à une prochaine. Bossez bien, bye bye.